Eh bien, salut à tous et bienvenue dans Dragonblox et Apollo pour un autre épisode. Alors ça, c'est quand même la déception. Bon, bah du coup, je vais faire mon intro ici, hein. Bah, on va attendre que le serveur se rallume. C'est chaud quand même, après 10 secondes. Bon, il abuse. Donc, aujourd'hui, j'avais prévu de farmer pour avoir le Kaioken, mais du coup ça va être plus compliqué. J'avais prévu de faire les quêtes de film, j'avais prévu de faire les quêtes que j'avais pas fait, les quêtes que j'avais déjà fait éventuellement pour avoir le légendaire Ki, toutes ces choses. Mais du coup d'abord on va attendre que le serveur se rallume. Bon, j'ai fini mon intro, je vais réessayer voir si j'arrive à me connexion à me connecter, et si j'y arrive pas de toute façon je vais essayer d'en faire une ellipse. Ah, ça a l'air de marcher. Non, ça marche. Ça, le serveur s'est rallumé vite. Ok. Donc, slash warp spawn. J'avais oublié comment on faisait. On peut faire slash warp boss, mais bon. Oh, mais ils sont chiants, les gens qui balancent leur stuff comme ça. Mais mettez-le dans le vide au moins. Au lieu de le balancer partout, là, comme ça. Voilà, mais Tokitoki City n'est pas votre poubelle en fait. Pas du tout même. Bon, allons-y. Movie Quest, stylé son petit skin à lui. Alors, Janemba, je l'ai déjà fait. Épisode Bardock, je l'ai pas fait. Je vais tenter en easy. Ok, il faut juste battre Freezer. C'est tout. En théorie, ça va être facile. En pratique, peut-être pas. Oh bah si, ça c'est simple. C'est tout, parce que l'épisode Bardock, normalement, c'est ça. À moins qu'on fasse aussi... Ah oui, non, mais peut-être Episode of Bardock et le spécial. Ouais, je crois que c'est ça. Et là, on revient dans le temps, on fait... Waouh! Et là, il y a Shield. Shield qui est plus fort que Freezer, quand même. Il est tout petit. Il est tout petit. Il est tout mignon. Non, peut-être pas, quand même. Il est surtout tout mort. Oula, 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 oula. Mais mange ce Senzu. Nom d'une croustibat. Ça faisait longtemps que j'ai pas dit ça. Allez. Et maintenant, j'imagine qu'on va avoir... Si je vais dire Super Saiyan Bardock, mais non. Shield full power. Ok, il fait très mal, il nous trichote en fait. Il va falloir vraiment se gaver de Senzu. Ouais, par contre, c'était petit. Le petit lac qui a failli me tuer. J'ai fait clic droit sur mon bâton du coup. Au lieu de sur le Senzu. Heureusement que j'arrive à survivre assez longtemps pour que le cooldown ça va terminer et que je puisse en remanger un. Parce que sinon ça serait chiant. Ah, de l'argent en plus. Ok, bon, par contre, je ferai pas le mode normal ni hard, hein, ça c'est sûr. Ok, et ça c'est censé être la planète Vegeta en bas. C'est pas très beau entre nous. Salut Bardock, j'ai réussi sans problème. Et ça donne pas mal de TP ça. J'imagine que j'arriverai pas à faire l'étape d'après, mais je veux juste aller voir. Comment ça, War Boss n'existe pas? Bah, je vais Warp Spawn dans ce cas. Ah oui, c'est War Bosses. C'est Boss au pluriel. C'était plus un pour un boss, mais bon. Mais bon. Allez, Movie Quest. Et après, c'est... Is quoi? Non. Is... Point Trunks. Ça doit être Tapion. Alors ça, c'est Bulma. Mais oui. Ah non, c'est Trunks du futur, d'accord. Là, il y a Gohan. Ah, Gohan qui est assez vénère. J'ai tenté, on sait jamais. Du coup, Gohan, je veux bien de l'aide. Parce que seul, je promets rien. Ouais. C'est pas que je promets rien, c'est que je vais mourir. Gohan. Gohan. Aide-moi. Y a pas envie.
Est-ce que je peux le battre comme ça? J'ai pas la portée, j'ai la portée. Ah mais lui aussi, il a la même portée que moi. Ok, donc c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Annuler la mission. Et ça marche. Ok, c'était quoi après Trunks? Irulia, Beerus, ensuite Golden Freezer. Je veux aller voir Golden Freezer. Ok, salut Vegeta. D'abord, t'as Freezer. Oui, il y a marqué. Ouais, first form. J'ai eu final, mais. Ensuite, Freezer, forme finale. On avance. Et Golden Freezer en dernier, évidemment. Ok, vénère. Bon, bah, warp spawn, hein. J'ai du warp boss, parce que je vais refermer les boss du coup. Je vais les battre Broly. Mmh, il va prendre cher. Les fans Broly, vous allez pleurer, parce que vous allez voir que le Super Saiyan 4 dépasse sans problème Broly. Et en plus, je suis pas un bon Super Saiyan 4. Je suis tellement loin du god. Bon. Broly, le premier film déjà. En hard, évidemment. Ce serait trop facile sinon. Ok. Il y en a deux déjà, ça me rassure pas. Des petits bugs, il y a certains mobs qui sont x2. Broly par exemple du coup. Heureusement que je peux déjà m'en gérer un sans problème, parce que gérer les deux j'aurais eu du mal sinon. Si j'étais à la même force que lui, déjà la dernière fois que je l'affrontais, je crois que j'avais eu un peu de mal contre lui. Heureusement que je suis devenu plus fort. Ok. Là j'espère qu'il n'y en a qu'un. Oui, il n'y a qu'un Broly SSJ. Ah oui, il est censé être avec des cheveux bleus, le Broly SSJ, de ce film-là. Il est censé être SSJ Blue. Ça, c'est les théories Shaitan. Ça, c'est les théories. C'est le genre de théorie, en fait, ça se base sur rien. Genre, ouais, Super Saiyan Blue 2 parce qu'il y a des éclairs. Non. Si ça n'a pas été dit, c'est que c'est pas le cas. On est dans Dragon Ball, hein, tout est évident, là. Il n'y a pas tellement de théories à faire. Donc non. 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 Ce n'est pas sur une couleur que tu vas pas commencer à dire ouais tortue géniale, il a les cheveux gris donc ok, fais gaffe à toi hein. Bref, tu peux pas dire tortue géniale a les cheveux gris, ça veut dire que 100% il est ultra instinct, parce que c'est stupide, comme dire que Broly était SSJ Blue, c'est stupide, le super n'existait pas à l'époque, c'est pas possible. Pas possible, c'est le genre de théorie qui ne se base sur rien à part sur les fabulations d'un fanboy, et je ne sais pas si je m'en suis bien servi de ce mot. Alors Broly, deuxième du nom, on va faire les trois cette fois. On a un magnifique Gohan. Comment ça tu m'as pas donné de 4 Gohan? Oh, ça va pas se passer comme ça. Janemba Normal Quest. Ah oui, si, je l'ai. Je l'ai, d'accord. Allez, Broly. Il est plus gros que... Même beaucoup plus gros que la dernière fois. Il a un peu mangé de KFC entre temps. Pourquoi je me suis fait one shot? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je veux dire, j'arrive à... Ah, oh, il y a un Zeno sur la tête. Enfin, j'avais plus de ki, c'est pas possible. Parce que c'est pas possible du tout. J'arrive à faire les quêtes... J'arrive à faire genre 3 quêtes après dans les films. Comment lui il pourrait me tuer? Ouais, j'arrive à faire jusqu'à Episode of Bardock. J'arrive à faire 2 quêtes après. Peut-être qu'il fait juste trop de dégâts. Oh non, même pas. C'est juste que je devais plus être transformé, j'ai pas fait attention. Et bah parfait. Et il m'a donné de l'argent. Je récolte beaucoup d'argent. J'ai l'impression que c'est le bon plan pour farmer l'argent ici. Ok, les SSJ pour lui. C'est cool, il y a que deux ennemis ici. J'aimerais bien voir Legendary Key. Je pense que je pourrais peut-être me faire ces 17 et ces 18. Après, je sais plus qui me l'avait dit. Désolé. Mais on m'avait dit. Ouais, moi j'ai fait les cyborgs. J'avais genre... 20 000 dans toutes les stats, donc t'y es pas encore. Eh bien écoute,
Je pense que t'abuses un petit peu. 20 000, ça m'a l'air énorme. Peut-être pas, après, peut-être que c'est juste moi, mais... Ah oui, le Lozamasu marche plus, j'ai oublié de dire. Oui, mais il est cassé, on l'a confirmé dans le chat. Donc voilà. RIP à Lozamasu, je t'abandonne. Allez, Warp Bosses. Parfait. Et j'ai combien de... Ouh, très proche du Kaioken. Continuons Broly, ensuite on ira faire Janemba. Salut Gohan. Blablabla. Ça va, je lui fais mal. Bon, lui aussi me fait mal. Oh non, non, pas le freeze, pas maintenant, je vais pas mourir maintenant. Non, pas comme ça. Pas comme ça, Broly. Je refuse. Je refuse. Je suis mort. Je vous l'annonce, je suis mort. Vu la gueule du freeze, ça va défreeze, je vais être mort 4 fois. Ah, tout le monde dit que ça lag. Je vois les gens dans le chat qui disent lag. C'est bizarre. Comment je... Ouais, si je mets OK, ça s'envoie instantanément. Alors que les ennemis bougent plus. C'est bizarre. Bon. Je vais pas attendre 4 ans par contre. J'aimerais bien faire un épisode correct. S'il vous plaît. Voilà, je balance des mêmes au pif. Oh, il a pris des dégâts. Oh, il est de retour. C'est bon. Je suis pas mort, heureusement. J'ai eu peur. Mais généralement, ouais, quand il y a des freezes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi je penserais que l'ennemi continue de nous taper à l'infini, mais vu que c'est des freezes du serveur et pas des freezes de ma connexion, il me tape pas. C'est lui qui freeze et pas moi en fait. Ce qui est très bizarre du coup. Allez Broly. Brocoli. Parce qu'il a les cheveux verts. Oula oula oula. C'est sûrement pour ça qu'il s'appelle Broly d'ailleurs. Non, je suis mort comme un con. Ah oui, mais qui a dit... Oh mon dieu. Oui, il y en a un qui a dit insérer le bruit de Roblox, le bruit de mort horrible. Ouf. Enfin, le truc dégueulasse. Sérieusement, Roblox, il serait temps qu'il se change son... Après, c'est un peu un mème, mais il serait temps qu'il le change un petit peu, son. Bref. Mais oui, il a dit insérer le son .jpeg. Et le JPEG, c'est un format d'image. C'est pas un son. À la limite, MP4, ça aurait marché. Mais non, pas JPEG. Bon, allez. Gohan, merci pour ça. Merci pour tout. Et on est proche du Kaioken. Ça fait des années que je dois le dire. Plus personne n'y croit à part moi. Un peu comme la mise à jour du Cube World. D'ailleurs, il y a un top qui va arriver le jour où je penserai à faire le montage. Et il y a Cube World dedans. Oui, j'ai fait un top. Pas 10. Non, j'ai fait un top 5. Et oui. Oh mon dieu. J'ai même plus envie de pleurer, en fait. Blasé de me faire OS par un ennemi nul. Broly, quoi. Y a pas pire. Non, bon, j'abuse. Je me serais fait OS par Monaka, j'aurais pleuré. Après, Monaka est fort. Hein. Je vous rappelle que Monaka, c'est aussi Jiren dans ce jeu. Sauf dans Ultra Instinct. Dans le truc Ultra Instinct, c'est le vrai Jiren. Et tout de suite, ça rigole moins. Tout de suite, je peux pas le battre. Parce que le Jiren Monaka, je peux. Ce qui est étonnant, hein, parce que Monaka est censé être le meilleur perso de tout DBS. Il est plus fort que Beerus, après tout. Étonné d'ailleurs qu'il n'ait pas été dans le tour du pouvoir. J'ai pas pu manger. Bah si, je l'ai mangé, mais j'étais mort. Bon, on est de retour. Salut toi. Ah, attendez. Ah là, quand même. Allez, fun la Z-Sword pour ça. Attends, je remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, mais je sais pourquoi. C'est qu'il est censé y avoir cours aujourd'hui. Sauf que vu qu'il y a une grève absolument incroyable, il y avait les communistes du lycée qui voulaient faire un blocus, et du coup j'ai fait, oui, écoutez, s'il y a blocus, je vais pas attendre dans le froid pendant 2 heures avant de rentrer en cours, j'y vais pas du tout. Et oui, c'est clairement une technique d'enculé.
Non, en vrai, ils font chier. Ils font chier. J'ai tellement un lycée de chômeurs que dès qu'il y a la moindre grève, ils savent même pas pourquoi, mais ils font blocus. Le lycée en général, hein, pas juste les communistes du lycée. Oh mon dieu, il est trop fort. Ah, cool, un rubis. Ça sert à rien, un rubis en fait, tant que j'y pense. Bon, on va y arriver, hein. J'y crois pas trop, mais on va peut-être y arriver. Allez, allez, pitié. C'est reparti, Broly, deuxième arrivé. Y a pas Bio Broly, déçu. C'est le meilleur film Broly, carrément. C'est faux. Et non, dans le prochain film, ça ne sera pas Broly. Et si c'est Broly, j'irai même pas le voir. Parce que ça serait nul. Ça serait vraiment très très nul. J'ai la portée, il a pas la portée. C'est cool. Ok, bon bah on va le tuer comme ça, hein. C'est un peu de la triche. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Eh ben pas du tout. Voilà! Il m'a pas donné de légendaire. Yes. Ça me fait plaisir, Broly, vraiment, merci. Moi je voulais devenir légendaire. Ben non. Salut, c'est encore moi, Gohan. Donne-moi les récompenses. Merci. C'est quand même pas beaucoup. Je vais aller battre Janemba. Janemba. Lui, je le ferai pas en hard. À moins que la technique, je vole et je le frappe, ça fonctionne. Mais je ne suis pas sûr. Bon, salut Gogeta. Oui, le Gogeta a carrément la flemme d'affronter Janemba. Il fait, oh, s'il te plaît, fais-le pour moi. Bon, là, je crois pas que ça va marcher. Ça marche. Il peut pas me taper. Bah écoutez, je vais sûrement faire cette technique en hard aussi. Généralement, c'est quand les ennemis sont grands que cette technique ne marche pas. Enfin, que cette technique marche au contraire. Parce que du coup, leur hitbox. Enfin, leur. Oui, leur hitbox est plus grande. Mais eux, j'ai l'impression que leur portée, c'est par rapport à leur pied en fait. C'est un peu bizarre. C'est vrai que son aura est absolument belle. Lui, ça marchera pas par exemple, je pense. Voilà, ça ne marche pas. Donc, je peux peut-être battre le petit Janem. Le petit. Enfin, Janemba première forme sans aucun problème, mais Janemba forme finale là, non. Peut-être qu'Hyrule Garn, je pourrais, hein, du coup. Je pense que je peux peut-être. Ça mérite d'aller essayer. Il est vénère. Je le ferai pas en normal. Gogeta, bonjour. Je veux ma récompense. Merci, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi je veux le Kaioken par contre. Il me reste 2 minutes pour l'avoir donc c'est un peu chaud. Alors, Iruzigarn. Voilà, c'était un peu nul comment j'ai dit ça. Bonjour, tapis. Ouh. T'es moche. Honnêtement, t'es vraiment pas beau. Ah d'accord, c'est qu'il doit y avoir quelqu'un. Oh oui, non, mais ça va être compliqué en fait. Ok, il doit y avoir deux formes, mais la première n'a pas spawn. Je vais décorer quoi, sait-on jamais. Mais non. Mais il n'y a qu'un seul Irudeg. Oui, en fait, il n'y en a qu'un. Il y a 1 million de points de vie. Est-ce que je peux déjà le taper et complètement abuser du jeu? Oui, je peux. Ah, mais je fais pas de dégâts. C'est chiant. Pas assez, du moins. Non, ça prendrait trop de temps. Je vous laisse le tuer. Bonne chance. Au revoir. Merde, je suis où? C'est bon. Allez, bah, du coup, c'est dommage. On n'aura pas eu le Kaioken. C'est con. Mais du coup, je ne peux pas l'avoir. Et j'ai vraiment aucune idée de comment je pourrais faire. Je crois qu'il faut juste que je revienne le lendemain et que je fasse mes votes et que je gagne
des clés. Après ça, je l'aurai. Mais là, Caillot, t'abuses. Hein. Ah, mais ça coûte que 10 de mind maintenant, le Kaioken. Alors qu'avant, ça coûtait 500. Donc tu veux dire que là, j'ai. Je sais pas. Mais non, je crois que j'avais boosté quelque chose. Je sais plus. Mais oui, bah, tout ça pour dire que Caillou, t'es un petit con hein, d'avoir baissé tes prix. Mais ça m'arrange. Ok, j'ai vraiment pas d'énergie. Bah écoutez, moi je qui voulais me mettre là-bas pour arrêter la vidéo. Je sais pas quand j'y serai. J'ai quoi dans mon coffre? Pas grand-chose. Ouais. Est-ce que c'est toujours. Ouais, c'est toujours une couronne bizarre. On va le remettre là et voilà, bah ce serait tout. Et je sais toujours pas ce qu'il y a là-bas du coup. Tant de questions sans réponse. Ah là, je ne sais pas où sont les planètes ici. Je vais explorer très 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 vite fait, mais. Faut vraiment que vous me donniez une direction. Enfin, donnez-moi des coordonnées, donnez-moi une direction, je sais pas. Oula. Mais oui, parce que je vois une planète. Et c'est bien beau, mais c'est pas suffisant. C'est quoi ça? C'est quelque chose de buggy, d'accord. Est-ce que je vois aucune planète? Et me dites pas que c'est ma render distance. Elle est à fond. Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas du tout où elles sont. Donc voilà, si vous pouvez m'en informer, je dis pas non. Et du coup, ça va être tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à plus et à la prochaine pour le prochain épisode qui sera le dernier. Et oui, je l'annonce comme ça. Et après ça, on passera sur la prochaine série. Allez, zou et à plus.